Vous savez qu'il n'y a pas une personne sur Terre pesant plus de 100 millions de dollars qui a fait fortune de manière honnête. Il suffit de penser aux vieilles fortunes, les Vanderbilt, les Carnegie, les Getty, les Morgan, les Hearst, les Rockefeller. Comment croyez-vous qu'ils ont fait fortune? Ils ont annexé des territoires et des permis et des commerces et ont tué la population autochtone. Ils ont fait venir des esclaves, ils ont vendu des armes à la fois au nord et au sud lors de la guerre civile et ils ont contrôlé les politiciens. Et ce sont des héros acclamés par les foules! On apprend à nos enfants que l'honnêteté et le travail sont les clés du succès? Mes enfants n'iront pas sur le front, ils iront à Yale, ils iront à Harvard. Et ce sont les pauvres petits blancs demeurés et les noirs des ghettos qui vont se battre dans les guerres absurdes de l'Amérique et qui vont protéger la sécurité de l'Amérique et ses entités financières. Et ce sera mon business qui sera de plus en plus riche et mes primes seront de plus en plus grosses. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Ce sont les banquiers, les propriétaires et les conseillers qui s'enrichissent. Et ce sont les petites gens qui achètent leurs actions qui perdent. L'équation est infaillible. Des gens comme vous! Il y a des gens qui ne s'en remettent pas. Des gens comme moi. Ça, c'est le système de libre-échange, mon vieux. Ça, c'est le capitalisme. C'est la concurrence dans une société capitaliste. C'est comme ça que la crème remonte toujours au sommet. C'est comme ça que les forts survivent. Et que les pauvres meurent.